Vas-y. Vas-y, bah je vais me mettre à l'accueil pour le moment. À tout à l'heure. Vas-y. Bon, je vais commencer à trier quelques petits Bonsoir. papiers. C'est vous le conveyeur de fonds? Exactement. Ok, bah suivez-moi, on va entrer à l'intérieur de la Moi. banque. Voilà, bon, je suis désolé, c'est un peu le bazar, il y a eu pas mal de tri. Je vais probablement devoir vous interdire bancaire. Moi, Vous êtes pas t'es bien ou juste une quoi? merde. Je peux porter plainte contre vous là, monsieur. Vous êtes C'est. complètement C'est. malade. Écoutez, je vous explique, c'est moi qui ai activé l'alarme silencieuse. Hop là, tac, ça je trie là, ça j'y mets juste ici, et hop, ça j'y range par là. Rien. Ok, bon, Comment vous ça, voulez rien? quoi? Putain, il est Exactement. juste là. Ok, bon, faut Bon, que je je vais sais ramener vrai. les papiers à la maison. Qui va vous? À mon avis, il va rentrer à l'intérieur. Ah! Oh putain de merde! Oh, il y a des ambulances. J'espère c'est pour moi. Je suis C'est pas toi sûr qui que le viens de coffre il mourir. cède, hein. Même aux explosions, il est blindé, je vous rappelle, hein. Ah ouais? Ouais. Merde! Oh, l'explosion! Oh Bon, je putain. m'arrête là. Ça sert à rien, les portes elles sont fermées! Oh putain. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Stargaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ravi de vous retrouver pour un nouveau roleplay sur GTA V Online. Donc aujourd'hui on est tout simplement parti pour le thème de banquier. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc merci à Guigou comme d'habitude pour sa participation dans l'RP, sa chaîne dans la description. Et en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, c'est enfin le matin. Bon, on est parti pour une nouvelle journée. J'espère que tout va bien se passer. Je vais aller prendre ma petite douche, je vais aller enfiler ma tenue et je vais me rendre à la banque de Palétobé. J'ai pas mal de chemin à faire. On est parti. Ok, bon, on est parti. Finalement, on a à la flicabanque de Palétobé. C'est exceptionnel que j'y aille. Hop, c'est parti. On a pas mal de route à faire. Du coup, je vais pas tarder. Allez, go, on est parti. Allez, on arrive à la banque de Blancuti. Ça a pris un peu de temps, n'empêche, mais bon. On est juste là. Tac. Et voilà. Allez, go. Parfait. On va rentrer à l'intérieur. Bonjour, monsieur. La banque va ouvrir, vous inquiétez pas. Allez, on est parti. Salut. Eh, j'ai fait Salut. pas mal de route hein, depuis Los Santos. Bon, je vais aller me mettre à l'accueil. Apparemment, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y aurait un convoyeur de fonds qui va venir chercher de l'argent au coffre-fort. Donc, je m'en occuperai, ok? Vas-y. Vas-y, bah, je vais me mettre à l'accueil pour le moment. À tout à l'heure. Vas-y. Bon, je vais commencer à trier quelques petits papiers et puis en attendant l'arrivée du convoyeur de fonds. Tac, ça, je vais régler. Ça, comme ça. Ouais. À Ouais, vite. dis-moi tout. Il y a le convoyeur de fond qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Du coup, Ok. bah, tu devrais sortir pour Ok, avant qu'il t'inquiète. dépanne encore fort. Vas-y, bah je vais m'en occuper, t'inquiète, merci. Vas-y, Vas-y, hop. tu prends l'accueil. Ok. Vas-y, Karim vient de me prévenir que le convoyeur de fond devra arriver. Je vais l'attendre. Normalement, il devrait pas tarder à arriver. Et puis voilà. Hein. Il est reconnaissable, le camion. Ah bah tiens, le voilà en parlant de lui. Déjà à la fin de journée, ça passe plutôt vite. Bonsoir, garez-vous à l'arrière. Mettez-vous à l'arrière. Je vais m'occuper de vous.
On va passer par là. Allez-y, c'est bon. Bonjour, ou plutôt bonsoir. C'est vous le convoyeur de fonds? Ok, bah suivez-moi, on va entrer à l'intérieur de la banque. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut, suivez-moi. Ok, bon, veuillez me suivre. Le coffre-fort, il se trouve juste là-bas. Juste avant ça, je vais vous demander, mettez-vous contre le bureau, enfin mettez-vous ici, et je vais vous faire signer un formulaire, comme quoi vous êtes bien autorisé. Hop, donc allez-y, je vais vous laisser signer. Et juste que vous me faites voir votre carte, quoi, pour être sûr, hein, vous savez, on n'est jamais trop prudent de nos jours. Ok, bon, tout est parfait, allez, suivez-moi. Hop, je vais ouvrir le coffre, je tape le code. Allez, suivez-moi, voilà, bon, je suis désolé, c'est un peu le bazar, il y a eu pas mal de tri. Du coup, je vais vous laisser choisir les 50 000 $, du coup, qu'il vous faut. Et dès que vous êtes chargé, bah, je vous attends à l'accueil, d'accord? Merci. Allez, à tout de suite. Je vais attendre juste ici. Et hop là, c'est bon, vous avez terminé? Oui, exactement, je suis chargé. Ok, allez, suivez-moi. On va ressortir par l'entrée principale et puis je vais fermer la banque vu que c'est la fin de journée. Attendez, hop, je ferme la banque à clé. Tac. De toute façon, je vais partir. Moi aussi, j'ai fini ma journée. Bon, c'est bon, vous avez récupéré tout ce qu'il fallait, les 50 000 $ qu'il vous fallait. Ok, bon bah vous allez pouvoir charger ça dans votre camion. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse repartir, hein. Vous repartez en arrière. Et puis voilà. Allez, merci pour tout. Merci, bonne soirée, au revoir. Bon, je vais aller prendre mon véhicule. J'ai fini ma journée. Je crois demain j'ai rendez-vous à la Pacific Standard, un truc du genre. Je vais retourner à ma banque habituelle. Et puis voilà. Allez go, on est parti. Ok, bon, je vais arriver à la flic à banque. Hop. Tac, je vais tourner à droite. Ah, là, je vais me garer ici. Allez, go, on va rentrer à l'intérieur. Il est super tôt. J'ai pas mal de paperasse à faire aujourd'hui. Allez, on est parti. Ok, hop, je viens d'arriver. Il y a encore personne dans la banque. Je vais bientôt ouvrir. Hop, je vais trier un petit peu les papiers. Et ensuite, j'irai bientôt faire l'ouverture de la banque. Ça, je vais foutre ça ici. Bonjour, oui, bonjour. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur? Dites-moi tout. Alors, je suis là pour prendre rendez-vous pour ouvrir un compte bancaire chez vous. Ok. Bon, alors, je vais vous faire glisser ci-dessous un formulaire qui comprend vos informations confidentielles. Vous avez déjà été dans une ancienne banque avant la nôtre? Oui, la même. Ok, très bien. Du coup, je vais vous laisser remplir le formulaire. Et dès qu'il est rempli, vous me le donnez. Puis je vais rentrer tout ça dans la photocopieuse derrière moi. Et puis voilà, je vous laisse entrer vos informations. Vous me dites dès que c'est terminé. D'accord. Ok, attendez. Hop, laissez-moi reprendre le formulaire ci-dessous. Je vais le faire entrer à l'intérieur, hop, de la machine. Alors, est-ce que je vois, monsieur? Ok, vous vous appelez monsieur Maxime, vous avez 28 ans, anciennement chez la banque Maze Bank Arena. Par contre, j'ai un petit problème, il semblerait que vous soyez à une interdiction bancaire, vous savez ce que c'est? C'est lorsque, par exemple, vous avez demandé trop d'argent ou de prêts à votre ancienne banque, et que votre banque, voilà, des crédits, et que votre banque vous interdit l'accès à votre carte bancaire, et que du coup vous pouvez plus utiliser votre carte bancaire tant que les dettes à payer ne sont pas remboursées. Vous le saviez? Vous étiez au courant avant de venir chez nous? Mm-mm. Bon bah, je suis désolé pour le moment, monsieur. Votre création de compte chez nous va être mis en suspens. Il va falloir que vous régliez vos problèmes. Je vous conseille d'appeler votre banque, votre banquier, pour régler ce problème, et puis on pourra finir la création de votre compte bah, chez nous. Voilà. Ok, c'est bon. Je vous donne toutes les informations qu'il faudra pour, et puis voilà. Ok. Bon, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Ok, bon, hop, on est parti. Hop, je vais me garer juste ici. J'arrive à la Pacific Standard.
Ça fait un moment, hein, j'ai pas travaillé à cette banque, vu que j'alterne pas mal en ce moment. Allez, go, on est parti. Je vais aller dans mon bureau. Tac. Là, tac. Ça, on va régler ça ici. Et ça, par là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous faut? Bonjour, c'est moi, Enzo, qui avait pris rendez-vous. Ah oui, ça fait un moment que je vous ai pas vu. Pour rejoindre les bureaux, vous prenez la porte à votre gauche, vous montez les escaliers, vous suivez les bureaux et puis je vous attends à la porte juste là-bas. Ok, faites le tour, je vous attends tout de suite. Bon bah il a l'air là. On va voir, j'espère que ça va bien se passer puisque souvent j'ai l'habitude que les clients ils s'énervent un petit peu. Parce que va falloir que je lui annonce qu'on va sûrement lui interdire l'accès à sa carte bancaire vu qu'il a une trop grosse dette à payer envers nous. On va bien voir comment ça se passe. Bonjour. Allez, suivez-moi. On va rentrer dans mon bureau. Allez-y, asseyez-vous. Installez-vous. Bon alors, monsieur Enzo Rodriguez, ça fait un moment que je vous ai pas vu. Alors, dites-moi tout. Je vous ai appelé hier au téléphone pour une somme de dette à payer de 75 000 dollars qui n'a pas été remboursée. Normalement, une dette à payer, monsieur, on vous l'avait expliqué le jour où vous nous l'avez demandé auprès de la banque. Vous devez rembourser approximativement chaque mois une petite partie pour rembourser le total que la banque vous a prêté. Sauf que pour le moment, en 2 ans, vous avez pu rembourser que 6500 dollars, ce qui n'est amplement pas assez. Donc vous pouvez m'expliquer les raisons de ce manque de remboursement envers la banque ? Monsieur, vous savez très bien que maintenant la vie c'est devenu un peu galère, mais... Et là, je vais reprendre le travail. Ma ah, vous avez perdu votre travail, monsieur? Oui, j'avais perdu mon travail. Là, normalement, je vais reprendre. D'accord. Parce que vous vous rendez bien compte que là, monsieur, nous, on peut même vous emmener en justice et porter plainte contre vous, car vous n'avez pas remboursé le montant qui avait été prêté par la banque et vous avez eu un temps donné et ça n'a toujours pas été remboursé. Donc, monsieur, je vais peut-être devoir vous annoncer une mauvaise nouvelle. Et j'en suis désolé, je pensais pas en arriver là avec vous. Je vais probablement devoir vous interdire bancaire et vous n'allez plus pouvoir utiliser votre argent, ni utiliser l'argent de notre banque et tout, tant que vous n'aurez pas remboursé la dette. D'accord? Mais, monsieur, vous avez très bien dit une famille à nourrir. Ça, je veux bien le comprendre, monsieur. Il y a des études. Écoutez, ça... laissez-moi parler. D'accord. Il y a les études, je dois m'occuper d'eux, il y a ma femme, il y a mes crédits à part, il y a plusieurs trucs. Écoutez monsieur, je suis désolé monsieur, mais c'est la loi, je vais vous interdire bancaire pour le moment, et puis bah ça restera comme ça jusqu'à ce que vous ayez remboursé la banque. Wow, il se passe quoi là? Wow, il se passe quoi? On se calme. Wow, m'approchez pas comme ça. T'as dit que t'allais faire quoi là? Écoutez monsieur, c'est la loi. Ok? Comment ça c'est la loi? On se calme. C'est moi qui fais la loi. Wow, vous êtes pas bien ou quoi? Je peux porter plainte contre vous là monsieur. Vous êtes complètement malade? Dirige de merde. Bon monsieur, arrêtez ou j'appelle la police. T'as été pourri gâté toute ta vie. Comment ça? Par contre t'étais petit. Vous êtes complètement malade monsieur. T'as pas vécu orphelin, t'as pas vécu dans le camp SDF. Monsieur, calmez-vous. Putain de merde. Monsieur, maintenant vous vous... Putain de merde. Monsieur, je vais appeler les gardes de sécurité, je vais appeler la police. Wow. Je vais vous planter si vous faites ça. Osez me planter, monsieur. Osez me planter, j'appelle la police. Allez-y, osez-le. Ok? Vous êtes complètement malade. Espèce d'enfoiré. Mon couteau est tombé. Mon couteau. Crève. Enfoiré de merde. Vas-y, frappe un peu. Mon vent. Enfoiré. Putain. Merde. Je saigne. Merde. Faut que j'aille faire sonner l'alarme au plus vite. Faut que j'appelle la police. Il faut que j'appelle les ambulances. Sinon, je me vide de mon sang. putain de merde. Je sais pas si je vais tenir. On se calme.
Il se passe quoi? Dites-moi. Il y a... Écoutez, je vous explique. C'est moi qui ai activé l'alarme silencieuse. Okay. Il y a... J'avais rendez-vous avec un client. Je lui ai expliqué que pour certaines raisons, il avait été interdit bancaire chez nous. Il a commencé à péter les plombs. Il a sorti une arme blanche. On s'est tapé et il a osé me planter dans l'estomac. Je suis en train de me vider de mon sang. J'ai réussi à le mettre à terre. Il est dans mon bureau, à droite. Ok, bon, attendez, je vais appeler une ambulance pour vous, voilà. Ok, vous pouvez aller le chercher, il est au bureau juste en haut. Okay, faut l'arrêter avant qu'il se relève, j'ai réussi à l'assommer comme je pouvais pour me protéger. Je vais attendre l'ambulance dehors. Attendez l'ambulance dehors, oui. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vous accompagne. Oh, bordel de merde. Attendez. J'attends... Ouais, j'attends l'ambulance, merci. Oh, bordel de merde. Fait chier. Ah, c'est enfin les ambulances. Je suis blessé. Oh, bordel de merde. Ah, enfin. Ok, bon. C'est moi le blessé. Bordel. Oui, c'est vous. Vas-y, montez derrière. Le policier, il est toujours en haut, en train d'arrêter. Et en haut. Okay, oui. Attendez, je vous ouvre les portes. Allez. Ok, merci. Allez. Bordel de merde. C'est bon, on est arrivé. Oh, bordel. Oh, qu'est-ce que j'ai mal à l'estomac. Mettez votre bras. Ouais, c'est bon. Merci. Bordel de merde. Hop, et voilà. J'ai acheté ça. Tac. Bon, allez, c'est enfin le jour de ma sortie. Heureusement, ils m'ont bien soigné. Bonjour. C'est bon, c'est enfin le jour de ma sortie. Ah oui, d'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Allez, bon courage à vous, au revoir. Allez, faut que j'aille me reposer car demain je reprends le travail. Allez, go. Bon, j'espère qu'il va pas tarder parce que bon, ah, c'est bon, il est enfin là. Allez, go, on va y aller. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais on a quand même du travail qui nous attend. Allez, go. Bon, en tout cas, moi je m'en suis bien remis, hein, depuis ma blessure. Ouais, tu m'étonnes. Bon, aujourd'hui on a été transféré à la Flicabank près de la mer. J'espère que tout va bien se passer. Et puis voilà. Allez, go. Bon, allez, go. Hop. Bon, je vais aller travailler un peu. Je vais aller dans la paperasse à l'arrière. Toi, tu vas au bureau à l'accueil. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Hop là. Tac. Ça, je trie là. Ça, j'y mets juste ici. Et hop. Ça, j'y range par là. Ok, ça, hop, document confidentiel du coffre-fort. Oh, c'est quoi ce bruit? Wesh, y'a quelqu'un? Oh, vous êtes qui, vous? T'as quoi dans les mains? T'as quoi dans les mains? T'as quoi dans les mains? Rien. Ok, bon, vous voulez quoi? Donne. Vous voulez quoi? Donne-moi ce que t'avais dans la main. C'est ici, tenez. C'est quoi? C'est les documents confidentiels du coffre-fort de la Pacific Standard. Vous avez pas droit de partir avec, c'est complètement confidentiel, monsieur. Tu veux que je te nique? Non, c'est bon. Ferme ta queue. Ok. Putain, il a défoncé les portes vitrées alors que la banque a été pas ouverte. Ok, faut que j'essaie de le suivre discrètement. Par l'arrière, attends. Faut que j'essaie de le suivre. Putain, il est juste là. Ok, bon, faut que j'essaie de récupérer. Je vais ramener le papier à la maison, à monsieur Martin. Putain, c'est qui ce monsieur Martin? Ok, je vais essayer de récupérer mon véhicule, faut que j'essaie de le suivre. Car ça veut dire peut-être qu'il prépare un braquage. Putain, véhicule de merde. Ok, je vais essayer de le suivre. Ok, on est parti, on va le faire en discrétion. Putain, j'espère qu'il va pas me cramer. Enfant, heureusement il m'a pas tiré dessus. Il roule rapidement. À mon avis, s'il a voulu récupérer les papiers du coffre-fort, c'est pour préparer un braquage, donc va falloir que je m'y prépare. Ok, il tourne à droite. Je me demande vraiment ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir faire avec des documents? Oh, putain, l'enfant. Rentrer à l'intérieur.
il faut que j'essaie de le suivre à l'intérieur. Je vais déposer mon véhicule là. Tac. Il faut que j'essaie de le suivre à l'intérieur de la villa. Je vais essayer de passer. Discrètement. Putain. Fais chier. Je sais pas où il est. Oh merde. Putain, il est là. Qui va où? À mon avis, il va rentrer à l'intérieur. Faut que j'essaie de me cacher quelque part pour pas me faire cramer. D'accord, bah écoutez, monsieur Martin, je vous remercie. Putain, je vois son visage à découvert. Qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il va aller reprendre sa moto. Ok, faut que je retourne à mon véhicule. Ça, je vais être prêt. Je vais être prêt à le courser et là, il va voir. Parce que faut que je récupère à tout prix ses documents. Ok. Et toi, enfoiré! Viens ici! Hein? Quoi? Viens ici! C'est toi qui as volé les documents, hein. J'ai vu ton visage. Arrête-toi maintenant avant que j'appelle la police et tout se passera bien. Arrête-toi, je te dis. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Oh putain de merde. Merde, putain, il roule vite. Arrête-toi, je te dis, espèce d'enfoiré. Oh putain. Oh. Arrête-toi. Viens ici, je vais faire une queue de poisson. Oh putain. Oh, oh, oh putain de merde. Oh, oh. Oh, oh, on me fait chier. Oh, merde, je suis où? Oh, il y a des ambulances. J'espère que c'est pour moi. Faut que j'essaie de sortir du véhicule. Oh, bordel. Oh, 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 bordel de merde, mon véhicule. Je pensais pas en arriver là. Oh, putain de merde. Oh, sa mère. Oh, je... Ouais. Comment ça va? Ah, vous avez été alerté, j'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance dans le véhicule, c'est qui vous a appelé? C'est des passants? Putain. Bah, je sais pas, il y avait quelqu'un, il y avait du bruit comme si... Ouais. Je crois qu'il était en moto, il nous a appelé, il nous a dit... Ouais. Il y avait un accident. Ok, bon, faut que j'aille à l'hôpital. Bon, je suis enfin sorti de l'hôpital, va falloir que j'aille parler, je vais demander si je peux avoir rendez-vous avec le commissaire pour qu'il puisse mettre en œuvre au cas où il y a un braquage, parce que vu que j'ai pas pu récupérer les documents, il y a toujours un risque. Bonsoir. Bonsoir. Allez go, je vais aller voir si je peux avoir un rendez-vous avec. Bonsoir. Je pourrais avoir rendez-vous avec le commissaire, je suis banquier, c'est assez important, j'aurais besoin d'un entretien avec lui si possible. D'accord, veuillez déjà me passer votre carte bancaire, tenez. Votre carte d'identité. Tenez, j'ai tout pris, hop, voilà. Ça va, laisse-moi vérifier. Allez-y, allez-y. C'est bon? Ok, très bien. Bon, écoutez, veuillez juste vous asseoir dans les sièges d'attente. D'accord. Parce que le commissaire est en réunion. D'accord, très bien. Il ne fera pas de sa réunion du module. Ok, ok. Bon bah, merci. Donc, veuillez attendre. Merci. Bon bah, j'attends. Au moins une bonne heure que j'attends. J'espère qu'il va pas tarder. Parce que ça fait déjà un bon petit moment. Bon. Oui. Qui c'est qui veut me voir? C'est moi. C'est moi, monsieur. Bonjour. Ouais. Okay, on pourra... Ok, je vous suis. C'est assez important. Bon alors, je vous explique. Bon, je suis banquier à la banque centrale de Los Santos, la Pacific Standard. Et il y a déjà quelques semaines, je travaillais à la Flica Bank près de la mer. Et un individu est rentré armé, cagoulé. Je pense que vous avez eu les images de la caméra de surveillance. Et ils vous ont été envoyés. Et l'individu a été attrapé. Ok, c'est parfait. Mais le seul problème, c'est qu'il a transféré des documents confidentiels concernant le coffre-fort de la Pacific Standard. Il m'a braqué, il me les a volés. Et j'ai bien peur que cela sollicite un risque de braquage prochainement. On peut vous fournir de la sécurité. Mais c'est pas vraiment de la sécurité de niveau... Voilà quoi. Ok. Mais dans tous les cas, juste au moins que vous soyez prêt à intervenir en cas de braquage immédiat. Oui, voilà, on va bien sûr mettre des personnes de la BAC, etc. entre temps. Ok. Jusqu'à ce que le jour du braquage, bah, on verra
les équipes qui seront bah ok bon bah pas de problème, bon bah merci beaucoup, c'était tout pour ma question. Tac. Hop là, je vais passer par là. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a. Wow ! Oh putain ! Merde ! Putain, c'est parce que putain, je savais ça arriverait. Merde. Oh putain. On se calme. Vous savez que la banque elle est fermée à cette heure ? Qu'est-ce que vous faites ? Ok, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi. Je te jure. Hein. La société vitre. Ok, bon, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Tu touches à aucun bouton, ok ? Ok, j'ai les mains en l'air, Aucun ! J'ai les mains en l'air. J'arrive. Putain, merde. Putain. C'est bon, j'ai les mains en l'air, j'ai touché à rien. Qu'est-ce que vous voulez ? Donne-moi les clés du coffre. Très bien, pourquoi on est là ? C'est pas les clés, c'est un code qu'il faut. Mets le code. Ok. Mets le code. Ok, je... Tac. Félix ! Ok, c'est bon, on peut y aller, venez, suivez-moi. J'ai fermé. Ok, bon, suivez-moi. Le coffre-fort, il se trouve juste en bas. Le voilà. Vous voulez vraiment faire ça ? D'accord. Pourquoi vous voulez que j'aille ? Comment ? Ouvre-le. Je peux pas l'ouvrir à distance, ça s'ouvre pas comme ça, un coffre-fort. Faut taper le code qu'il y a là-bas et même moi, je n'en ai pas les accès. Oh, ta gueule. Wow. Oh putain. Oh, on se calme. Oh putain. Oh putain de merde. Vous allez quand même pas faire ça. Je suis pas sûr que le coffre il cède, hein. Même aux explosions, il est blindé, je vous rappelle. Hein. Ah ouais ? Ouais. Merde ! Oh, l'explosion ! Oh bon, putain. Je là. Ok, c'est bon. Putain, qu'est-ce que vous voulez prendre dans le coffre ? Putain. Pas de l'argent. Oh putain. Oh merde, on fait chier. Normalement, il y a l'alarme silencieuse qui s'active automatiquement à cause de l'ouverture du coffre. Ok, ah, bon, c'est bon. Bon, attends, je le prends dans la poche. C'est bon, on peut ressortir ? Bordel de merde. Oui. Putain. Bon, venez, je vous ramène en haut. Putain de merde. Ok, bon, vous avez eu ce que vous voulez ? Vous allez pouvoir partir ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, on voit pas les caméras. Putain. Voilà, venez, suivez-moi. C'est bon, vous avez tout ce que vous voulez. Tenez, je vous ouvre la porte. Hop. Alors, c'est bon, vous pouvez enfin partir. Putain. Ah oui, je vais pas rester avec toi, on peut pas faire une blanche. J'active l'alarme. Voilà. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, merde ! Oh putain ! Oh putain ! Barrez-vous, il y a les flics qui arrivent, ça sert à rien de rester là. Je vais quand même mettre une balle. Tiens, dans la jambe. Oh le fils de... Faut l'arrêter ! Arrêtez-le! Putain, la banque elle est fermée à cette heure. Faut que j'essaie de l'arrêter. Je saute. Il est où l'enfoiré? Je le vois plus. Ah putain, j'ai fermé. Ça a fermé automatiquement les portes de la banque. Arrête-toi! Putain de merde! Ça sert à rien, les portes elles sont fermées! Oh putain. Tu veux que j'utilise la manière dure? Espèce de taré! Oh putain! Oh merde! Heureusement il en a qu'une. Putain de merde! Vous êtes complètement malade! Putain, faut que j'essaie de le mettre à terre. Putain. Arrête-toi, je te dis! Enfoiré, va! Ok, bon, il y a la police qui devrait pas tarder. Bordel de merde! Ok, je vais attendre la police, putain de merde, je suis blessé. Bon, on y va, apparemment on a reçu l'alerte de la banque, faut qu'on se dépêche. L'alarme de la banque silencieuse a sonné, ça veut dire qu'il y a un braquage en cours. On y va, go. Tu peux démarrer, on peut y aller. Dispatch, je répète, on se rend à la banque, on se dépêche, il y aura un braquage. On y va directement. Terminé. On arrive sur les lieux. Ok, dispatch, je répète, on est arrivé sur le lieu où il y a le braquage de banque. On reste à couvert, on fait attention. On va entrer à l'intérieur. Ok, fais attention, Karim. Ok, on entre à l'intérieur. Go. Putain de merde. Oh, on se calme. C'est bon, c'est fini. J'ai réussi à l'abattre avec l'arme que j'avais. J'ai le PPA, j'ai le permis de port d'armes. Je suis le banquier.
Et donc, ok. Je suis banquier, je suis banquier. C'est moi qui vous ai alerté. L'individu, il est là-bas. Putain de merde. Vous de lui, venez avec moi, monsieur. Putain de merde, je savais que ça arriverait. Je sais pas si vous étiez prévenu par le commissaire. Oui. Ouais, je l'avais dit. Bah, bordel de ça, merde. Pour ça, bah là, je vais vous rendre le commissariat. Ok. Ok. Putain, je savais que qu'il arriverait une chose comme ça. Allez, on peut y aller. Je savais que ce serait pas facile, la vie d'un banquier. Allez, go, on peut y aller. Putain de merde. Bon, et bah voilà les gens, en tout cas j'espère que ce roleplay vous aura plu, en tout cas merci beaucoup de l'avoir suivi, le lien de mes réseaux sociaux en description, et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 14h, comme d'habitude, ciao ciao.